monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'étais en train de faire une carte de chez News Omi, voilà, donc que j'aime trop. Donc là, je voulais en faire un petit peu avec vous. Par contre, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais vous bouger un petit peu. Je suis désolée, mais essayez de vous descendre pour que vous y voyez un peu mieux. Peut-être que là, vous verrez déjà un peu mieux. On va éviter de trop faire bouger. Là. Voilà, donc là, je voulais faire un petit peu... vous allez me voir faire un petit peu de diamond painting. Ils sont très agréables à faire. Je les adore. Donc, tellement que je les aime, je vais repasser une commande. Voilà. Parce que c'est juste génial. Donc là, je suis en train de faire les blancs. Bon, ils sont un petit peu mélangés parce que des fois, on a des bleus, deux, trois bleus avec les blancs. Enfin, les sachets qui étaient l'un côté des autres, ils se sont un petit peu, des fois, mélangés. Mais ça, c'est pas bien grave. Je vais bien les retrouver. Quand il va m'en manquer deux, trois, ben, ils seront dans d'autres sachets. J'ai pris ce stylet-là parce que ben, c'est celui-là qui va le mieux. Et puis, qui avait dans le kit. Voilà. C'est la barquette verte. Elle est bien, mais elle n'est pas top, vous savez, pour reverser dans les sachets. Parce que ils m'ont donné des petits sachets, mais moi, j'en avais déjà, donc j'ai pris les miens. Bon, j'ai mis beaucoup de préparation, donc je vous prends 10 minutes avec moi, histoire de vous montrer un petit peu. Je mettrai pause, et puis après, je vous montrerai les résultats finaux. Aujourd'hui, je pense en faire deux. Voilà. Mais je vais en faire qu'une avec vous. Ça sera déjà pas mal. Bon, ça prend un peu de temps, hein, même si c'est des petites cartes comme ceci. Bon, c'est pas un grand diamond painting, mais ça occupe bien quand même. Alors, hop. Sur celui-là, sur les cartes, on a des petits diamants spéciaux. Voilà. Franchement, je les adore, ces cartes. Elles sont juste sublimes. Ils ont pas mal de choses pour Noël, les petites sacoches, les petites pochettes. Je suis allée faire un tour sur leur site, il y a des des pochettes, des sacs à main, il y a les marque-pages. Donc voilà, moi je vais en acheter. Celui-là il ne veut pas venir. Allez hop, on en remet. Il n'a pas envie de venir vers moi. Bah écoutez, c'est pas grave. Je vais finir les blancs avec vous. Je vais préparer des numéros 20. Donc c'est un marron. Donc un marron un peu plus foncé que l'autre. Après, je vais mettre pause. Et puis ben, je vous montrerai le résultat final. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue pour vous. Voilà, donc là, j'ai fini cela. Donc après. Il me reste combien de couleurs? 3 couleurs à faire. Voilà. Oh, peut-être que je vais faire le 20 avec vous quand même. Voilà. Donc là, bon, là, j'avais un gros sachet. Sinon, je les ai mis dans des tout petits sachets comme ça. Puis vous voyez, il y a du bleu. Mais bon, c'est pas grave, je les retrouverai après. Hein. Vous voyez, par exemple, dans le noir, j'ai un vert. Je ne sais pas si vous allez voir. Et un vert dans le noir. Ah mince. Donc, mais c'est pas grave. J'ai mis un cheveu. Alors. Le vin. Il n'y a pas 50 000 couleurs. Donc, je vais les retrouver assez facilement. Le cheveu, c'est moi qui viens de le mettre. Hein. J'ai un chien à la maison. Donc, j'ai des poils de partout. Mais je vais l'enlever avec une pince, ça c'est pas bien grave. Hop là. Voilà. Franchement, ils sont très très agréables à faire. C'est assez rapide. Je sais pas si elles vont tous être aussi rapides, je pense pas. Je vais vous montrer celle que je vais faire aussi. Là, il est 19 h, hein, donc après, je vais aller manger, mais je vais préparer le prochain. La prochaine carte, et puis je la ferai ce soir après manger. Je vais juste vous montrer laquelle je veux faire.
Après, je vais vous montrer aussi, je vais la plier. Puis moi, j'ai des pochettes pour pas qu'elles s'abîment, que j'achète chez Action. Voilà. Donc voilà, c'est là, le 20, il est fait. Donc je vais faire le 1 et le 23, donc il reste le nez, puis les antennes là. Les antennes, les cerfs, les rennes, les bois. Je vais y arriver. Hop. Donc ça, je remets tout dedans. Même la bleue, c'est pas grave. Je vous dis, je la retrouverai après. Donc là, je vous mets sur pause et je vous montrerai le résultat final. Donc voilà, je vous reprends. J'ai terminé la carte. Donc vous voyez, je pensais qu'il m'en allait pas m'en rester, mais en fait, si. Donc je vous montre, je les range là-dedans. Là, je vais avec ma Dimo, donc c'est le 23. Donc j'ai la Dimo. On va faire le 23, l'imprimer. Voilà. Moi qui fais du scrapbooking, j'avais même pas vu l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Donc, ça donne ceci. Elles sont juste trop jolies. À l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Elles sont juste sublimes. Et moi, ce que je vais faire pour pas qu'elles s'abîment. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si elles vont tenir dedans. Mais moi, attendez, voilà. Pour pas qu'elle s'abîme, je vais les mettre là-dedans. Dans une pochette. Et on va mettre une enveloppe qui va avec dans... Ah, non, ben oui, elles sont toujours plus grandes, forcément, on ne peut pas. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Voilà, elles sont trop jolies. Donc, je remercie énormément News Omi. Donc là, je vais faire celle-ci. Voilà. Et l'intérieur, c'est comme ceci. Donc voilà, je vais faire celle-ci. Et puis, je vais la préparer. Puis, je la ferai ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.